Maïva Ghanem, Carla et Kevin réagissent à la demande de mariage du couple à New York dans Les Marseillais aux Caraïbes. Hier, c'était l'épisode de la fameuse demande en mariage de Carla et Kevin dans Les Marseillais aux Caraïbes. Un moment magique et romantique. Kevin a fait une très belle surprise à Carla. Cette dernière est aux anges et s'est exprimée via Story Snapchat sur les anecdotes de cette demande. Kevin était en stress pour que tout soit parfait. Maïva Ghanem, très émue, a donné son avis sur cette demande. Je vous laisse avec la réaction des trois candidats marseillais. Qu'avez-vous pensé de cette demande et de la réaction de Maïva, Carla et Kevin? Vous pouvez partager vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Du coup, hier, je suis même pas pour regarder les Marseillais parce que là, je suis en train de refaire mes dents. Et j'ai vu la demande en mariage de Kevin sur Insta qu'il a faite à Carla. Je pense que c'est trop mignon et je suis tellement contente pour eux, tellement fière parce qu'ils s'aiment trop. Genre, eux deux, c'est grave évident. Et moi, je les aime d'amour. Genre, Carla, c'est ma soeur, c'est depuis le début, depuis l'Australie. Genre, ça a été ma première amie, Carla. Et genre, on a eu un coup de foudre toutes les deux. Même quand on se parlait plus, on se défendait. Carla et moi, on s'est jamais trahi. C'est une femme, elle est exceptionnelle. Je vous jure que je l'aime trop. C'est vraiment l'une de mes meilleures amies. Et Kevin, pareil. Kevin, c'est mon frère. Je l'aime trop, je l'aime d'amour. Et je suis trop, trop contente pour eux. Je suis trop, trop fière d'eux. Ils s'aiment tellement. C'est trop beau comment ils s'aiment. Je vous jure. Je leur souhaite tout le bonheur du monde. Vraiment parce qu'ils le méritent. Et qu'ils sont trop beaux. Et que c'est vraiment des gens bien. Et que c'est mes amis. Que je les aime d'amour. Et que si je suis pas la témoin de Carla, on sera plus copines. Voilà. Enfin voilà, je les aime d'amour. Ils sont trop beaux. Et Ruby, c'est la plus belle. Je vous raconte une anecdote, puisque vous savez pas tout. C'est que cette veste, elle m'a tellement contrariée. Tellement. Je me disais, mais non, c'est pas possible. Genre, je le voyais trop bien habillé. Moi, je ressemble à une plouque. Du coup, je l'ai bassiné pour aller acheter une veste en magasin. Mais le problème, c'est que moi, je savais pas qu'en fait, il allait me demander en mariage et qu'il y avait une heure aussi pour le panneau publicitaire. Il fallait être à 19h pétante devant ce panneau publicitaire pour découvrir cette fameuse phrase. Et du coup, en fait, il avait un stress immense. Et moi, le problème, c'est que quand j'ai été en boutique, on vous montre pas tout, mais quand j'étais en boutique, moi, je voulais tout acheter dans le magasin. Donc moi, je voulais faire les boutiques et tout. Au bout d'un moment, il me perd dans le magasin. Kevin, parce qu'il était tellement grand qu'il me perd. Et là, il commence à angoisser, il commence à me jeter en me disant, mais Carla, qu'est-ce que tu fais et tout, ça va pas, t'as pas le droit d'acheter des vêtements comme ça et tout, n'importe quoi, tu fais n'importe quoi, on nous attend, allez, faut se dépêcher. Mais moi, je comprenais pas pourquoi il me tombait dessus alors que j'étais rentrée en magasin, qu'on m'avait dit, c'est bon. Et au final, je comprends mieux maintenant, hein, Bibou. On était fait engueuler comme jamais. Et moi, je comprenais pas, mais j'étais à deux doigts, vraiment à quelques minutes, de rater ma fameuse demande. C'est-à-dire que si on n'était pas à l'heure exacte devant le panneau, après, c'était mort. Donc, j'imagine qu'il devait être vraiment stressé. Et genre, moi, j'ai failli rater ma demande en mariage. Oui. Mais bon, jusque-là, ça s'est bien passé. Donc, on a eu de la chance. Hein, Bibou ? Magnifique. Voilà, mais en tout cas, c'était magnifique. C'était trop beau. Je m'en souviens comme si c'était hier. En fait, c'était trop, trop, trop beau. Et de revoir ça en image, c'est encore plus beau parce que du coup, c'est que des beaux souvenirs à graver, quoi, que je pourrais revisionner autant de fois que je veux. Donc, je suis trop contente.